Hey, bonjour à tous, c'est Jérôme Mboyance et bienvenue sur ma chaîne de Voyance. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo du jour, donc pour le match Serbie-Suisse. Donc, j'avais annoncé pour le moment Brésil qui gagne, donc c'est passé. J'avais annoncé aussi que le Nigeria aurait de grandes chances de gagner, où il y aurait au plus mal un match nul, le Nigeria est en train de gagner. Donc, j'ai procédé maintenant au tirage du Serbie contre la Suisse. Donc pour la Serbie, j'ai tiré l'empereur qui est signe de puissance, d'autorité, de persévérance, de volonté, de capacité à s'adapter. La justice qui signifie donc l'équilibre et la maîtrise, l'ermite, le retour sur soi et le repli, la tempérance, l'évolution d'une situation et qui indique aussi une bonne défense et une stabilité, et le soleil qui indique l'énergie positive. Donc voilà, c'est pas trop mal pour la Serbie. La Suisse, donc j'ai tiré la papesse qui est le signe de la patience et de l'observation, l'amour et l'hésitation, justice, l'équilibre et la maîtrise, l'étoile qui mène vers la réussite et l'espérance, la lune, la carte de la remise en question de la peur et de l'angoisse. Donc du coup, voilà, c'est assez partagé. Il y a, en même temps, du côté de la Suisse, on a l'étoile qui dit qu'ils seront menés vers la réussite. On a la lune qui est la carte de la remise en question. Donc, est-ce qu'ils vont perdre ou faire un match nul? Ils vont se remettre en question pour pouvoir aller de l'avant après. Je sais même pas s'ils ont encore une chance de se qualifier par rapport à s'il y a encore un match. Après, je ne suis pas trop, en fait. Je suis les matchs sans plus, en fait. Donc c'est dur de vous dire parce que la Serbie n'a pas non plus un mauvais tirage. Donc moi je dirais plutôt le match nul. Après est-ce qu'il y aurait Suisse ou match nul peut-être? Est-ce que la Serbie a aussi ses chances? Sûrement. Voilà, c'est très très dur pour moi. En tout cas c'est juste pour vous aider en fait à vous guider. Donc c'est très très dur. Moi je dirais, je partirais sur la base d'un match nul. La Suisse dominera le match, mais il y aura un match nul pour moi. Après, la Suisse peut l'emporter aussi. Comme j'ai même pas envie de dire, la Serbie peut aussi l'emporter. Là, c'est vraiment très dur. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé en tout cas. Merci à tous ceux qui ont suivi ma vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, donc ma chaîne Jérôme M. Voyance.